Personne qui se lance. Trêve de, trêve de bavardage. Deux équipes qui sont prêtes à se battre, en découdre. Doom sur son Inirisa. Bon, voilà, mode relativement classique, vous connaissez. Je pense qu'on a même investi un peu tout de suite au vu des résistances. Le Sacrier qui joue feu. Ok, on décide de prendre cette optique. Encore une fois, il n'y a pas énormément d'érosion du côté de From the Abyss sur le papier. Donc, on décide de prendre le mode feu pour exploiter les zones. Du côté de l'Ujinak, on est resté sur un Ujinak haut. Voilà, pour cette fois, exploiter les zones, les tibias. Côté de From the Abyss, bon, Roublard classique en double Wukong. L'Ozamodas qui est terre-air et Astou Lupermash qui m'a l'air d'être feu, relativement classique en 12-5 avec de la guerre et un marteau possédé. Ouais, et là, il y a un truc super intéressant, c'est qu'effectivement, Ozamodas terre-air et en face, t'as autour de 20% terre seulement. Ça peut faire des gros dégâts quand même. Hein. Ça peut être un très bon choix. Bon, par contre, encore une fois, on a quand même le soin de Lupermash qu'on vend un marteau possédé, effectivement, Astou. Donc, on a ce soin-là côté From the Abyss. Mais à voir si ça va suffire, hein. Si ça va suffire face aux dégâts qu'il va y avoir en face. Ça peut être chaud. On n'a pas choisi l'os à feu, hein, qui était le plus safe peut-être, on va dire. Mais a priori, il n'aime vraiment pas Jean Abyss jouer cet os à feu. Bon, en tout cas, on voit comme on pouvait s'y attendre. On rush directement, on va pouvoir mettre le gibier sur le parmage. On érode. C'était soit l'érosion, soit les bennes. Du coup, c'est l'érosion qui a été choisie. Et derrière, bah voilà, on y va, hein, évidemment. Et c'est le parmage qui prend ses premiers. Premier petit dégât. Bah normal, hein, les rôdeurs en face venaient de jouer, donc on sait que là, les dégâts qui vont être posés sur Moons, bon, certes, ça peut faire mal, ça peut descendre un peu. Tu l'as dit, il y a très peu de résistance terre, donc on voit les pylons, les nœuds qui passent très très bien. Mais bon, malheureusement, voilà, ça ne passera pas sur érosion, donc on sait qu'avec Eniripsa plus Sacrier, ça peut remonter assez vite. D'autant que, bah, on l'a dit, la seule source de soins du côté de From the Abyss, c'est ce super mage en marteau possédé. Et on l'appelle Sacrier Feu, ça a les hécatombes. Les hécatombes, elles peuvent pas se faire des buffs ici. Donc elles vont avoir de la value. Et donc c'est vraiment très intéressant, hein, ce choix de Sacrier Feu qui va faire du taf. Ouais, en tout cas, il va y aller directement. On peut s'y attendre, Sacrier. Il peut choper la poursuite. Enfin, après, il a quand même un peu de mal à aller jusqu'au bout parce qu'ils sont quand même très loin en face. Du coup, on va choper la poursuite, mais on sera encore un petit peu loin pour ce tour-là. Et en pénitence directe, ok, ouais, c'est vrai que ça passait comme ça, juste, et on va pouvoir taper le permat, on a la portée en Sacrier Feu, c'est l'avantage, hein. On a les zones, on a la portée, du coup, ouais, 7 PA, on décide de pas mettre les bennes, on aurait pu, avec en tapant la bombe, mais non, par contre, les dégâts qui sont vraiment très corrects, effectivement, directement, et l'hécatombe qui est placée. On joue bouclier LM, oh, il n'y aura pas de gros bras sur le terrain, il n'y aura pas de gardien élémentaire, ouais, mais tant pis. Ça peut être quand même une petite source de sécurité, ce bouclier élémentaire, effectivement. On debuff ce Sacrier, on debuff aussi l'Ujinak. On a double debuff, hein, du coup, il y a déjà eu l'Otamodas avant, donc c'est que tous les boosts d'Irepsa vont partir. Faudra les remettre, mais le Galva sera déjà plus là. Ouais, clairement. Franchement, c'est vraiment intéressant. Du coup, Moons Ujinak, il n'aura que 12 PA. En vrai, ça, c'est vraiment un avantage, hein, de jouer en double debuff comme ça, même triple en réalité, hein, parce que même le Roublard là. Steny qui tiennent pas, ça fait vraiment le taf, hein, pour tempo les premiers tours. Tu l'as dit, petit bouclier élémentaire, hein, on savait du côté de From the Abyss qu'on allait devoir tanker dans les premiers tours. Donc vraiment, des choix intéressants. Je me demande si du côté de Dooms de l'Inirivsa, on devrait pas clean ce Draconnet, et non, pas du tout. On décide de vraiment passer à l'offensive. Petit mot fracassant qui passe qu'à moins 1, mais alors vraiment, c'est un full tour de dégâts qui est mis sur Astou, qui passe sur l'érosion, on le rappelle. Astou qui passe déjà en dessous des 4000 HP max. Ça peut descendre très très vite. Ça peut descendre assez vite, mais c'est pas encore trop inquiétant non plus, je pense. Non. Même si, bon, c'est pas ce qu'ils souhaitent, évidemment. Un piège magnétique, du coup, pour faire une zone, pour créer la zone autour de l'Ujinak et du Sacrier, ça c'est très bien vu. On va pouvoir, je suppose, éroder déjà et ensuite faire du retrait. Je pense qu'on remet une petite étoupille, certainement. Est-ce qu'on érode ou est-ce qu'on met une reski? Je pense que la reski est nécessaire. Hein. Ouais, c'est clairement. Ah bah non, j'ai rien dit. Non, c'était une érosion, ouais. C'était une érosion. Après, il y avait beaucoup d'esquives en face, là, tu te dis. Faut quand même éroder, ouais. Hein, t'es con. T'es contre une compo qui est extrêmement tanky, donc peut-être qu'ils se disaient, ouais, si on met que 13% d'érosion, ça va être tendu. Et en vrai, ça peut se comprendre. Par contre, là, ouais, je suis assez surpris. On décide de complètement switch de focus. On peut pas aller sur Astou. C'est vrai qu'il avait pas le. Bah, si, pourtant, il avait un étage bien. Ok, bon, on décide de complètement switch de focus. On remet l'érosion sur ce. On met l'érosion, pardon, sur ce Roublard. On le tape et on recule un petit peu pour. On sait qu'on est érodé. On veut pas se prendre ce tour de dégâts aux Amadas. Mais ce Sacrier, il est érodé aussi, hein. Il va se prendre cher. Ouais, clairement, il y a très peu de résistance. Après, attention, encore une fois, à la punition, mais on joue en 4 feuilles. Donc déjà, c'est possible en vrai qu'on joue la folie, même si on la voit quasiment jamais. Mais surtout, la punition sera forcément moindre, hein, en jouant en 4 feuilles.
Donc en vrai, on peut se dire qu'on peut peut-être attaquer à un moment, mais ça descend très vite hein, pour l'instant. Ça descend très très vite, hein, les deux bouffetous qui vont y passer là, le Sacré-Heart qui va être à peu près à 2000 HP. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'ébène hein, je crois, de leur côté, donc il n'y en a pas de posée. Mais ça descend très bien. Ah ouais, clairement, il prend très Dinos, très cher. Bon, tu vas taper qu'une seule fois, mais pour autant, ça reste du 2150 HP, un petit peu à retirer au passage. 9 PA, 3 PM, Sacré-Heart. Et là, From the Abyss, ils prennent quand même un très bon départ, hein, même s'ils se sont fait éroder en premier le repère match, le Sacré-Heart, c'est 3400 HP max, là. Bah clairement, et il aurait bien envie d'exploiter des zones, mais là, c'est plutôt pas mal joué du côté de du côté d'FTA. On a bien un peu split la team, c'est pas si évident, surtout avec 9 PA, d'exploiter bien les zones hécatombes. Voir. Alors, il n'y a pas une piqûre qui est lancée dans cette 2, donc on a toujours la possibilité que Jean-Fabrice joue avec 5 slots. C'est très possible. Ouais, effectivement. Sinon, j'imagine qu'on aurait une petite piqûre sur un bouffetou plutôt qu'un croc et Cantofou. Bah là, en tout cas, il peut quand même faire du clean sur sa cuillère, mais est-ce qu'il va choisir de le faire? A priori, non, hein, parce qu'en fait, s'il fait ça aussi, il perd un petit peu la tempo de l'agression sur les adversaires et ça peut être aussi risqué, même si ça réduirait fortement le prochain tour au Samodas. Là, s'il tape pas sa cuillère, il laisse les ennemis aussi tranquilles et du coup, il préfère donc taper ce Roublard, double hécatombe ma version. Le Roublard qui tombe aussi sous les 4000 HP max, mais c'est pas encore trop inquiétant pour le moment. Non, clairement. Pour le moment, ce double focus qui est bien géré, même s'il n'y a pas encore. Un perso en danger de létal ou quoi que ce soit. Par contre, bah là, ce Sacré-Heart, certes, il va avoir la pre-tech au prochain tour. Par contre, là, il va prendre quelques dégâts. Astou, encore 11 PA de dégâts, un lance-flamme, un drain élémentaire, qui lui permet en plus de retirer quelques stats. Et on décide de traverser. Ok, on s'éloigne vraiment de l'Eniripsa. On veut pas se faire kick de PA. Et en plus, on va gêner un petit peu ce Sujinek. Voilà, je pense, n'a pas l'air d'être tacté. Mal, hein. Là, c'est clair qu'il passe sous les 3000 HP déjà, 3000 HP max, 1080 HP actuel, même s'il va pouvoir se faire soigner là sans trop de problèmes avec du Solida, ça descend très 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 vite. Hein. J'ai même envie de dire un petit peu trop vite là pour le moment, From the Abyss qui est vraiment très bien dans ce match, j'ai l'impression. Bah ouais, pour le moment c'est pas trop mal. Il y a probablement une preuve en réalité qui doit partir déjà. Alors ça c'est pas mal par contre, le petit mot de silence qui prend les invocations en même temps. Bon, il en a pris qu'une, mais ça fait un bouffetou qui va pas pouvoir jouer. Il y a deux bouffetous. Je crois que l'albino s'est tout esquivé. Il était bien dans la zone, il a tout esquivé au calme. L'albino, il manque de respect, je crois. Alors, du coup, ouais, donc, le mécanique ne servira à rien, effectivement, comme tu disais. Ah. Bon, par contre, on laisse une zone derrière, c'est un peu dommage. Ouais. Du coup, il kick les pattes sur l'albino. Hein. Du coup. Ouais, non. Il rend justice. Il fait son taf, là. C'est la formule de retrait. Moi, je trouve ça très, très fair play. Oh là là, c'est quand même pas cool pour la vino, je trouve. Et par contre, Sabo, lui, qui esquive pas grand chose. Hein, avec ses 101 d'esquive PA, malheureusement, alors il me semble qu'il a esquivé un PA des bombes à eau, mais la resquive qui passe, le voit à 7 PA. Donc c'est probablement en réalité le nombre de PA qu'il a. Oui, non, c'est ça, on a plus de Galva. Ouais, clairement. Là, on a un gros tour original quand même, par contre, 14-7. Ça peut faire des bons dégâts, ce qui repasse sur le parmage. Il peut faire un full tour de parmage, mais il peut peut-être. Est-ce qu'il se transforme carrément? Non, du coup, on préfère retourner sur le Roblard. Mais est-ce qu'on se transforme quand même? La question se pose toujours. Moi, je pense qu'il peut. Hein. Là, tu tibia et tu peux même décaler pour faire un autre tibia et prendre le dragonnet rouge. Et je pense que c'est très très intéressant. Ce dragonnet, le clean. Ça ne passe pas. Ouais, dommage. Ah, dommage, ça passe pas. Mais je pense que le dragonnet, ce dragonnet, le clean, c'est vraiment intéressant. Parce que déjà, ça enlève les PA du relais de l'Ubermash, si je ne m'abuse. Et en plus, ça enlève la possibilité de debuff gratuit. Qui embête un petit peu Stujinak hein, depuis tout à l'heure, qui est obligé de remettre la gangrène à tous les tours. Il aimerait avoir à s'en prémunir, voilà, donc je pense que c'est un très bon tour là qu'il a fait Moons, d'autant qu'il est vraiment pas inquiété. Le relais qui est lancé sur le Roublard. Le relais sur le Roublard, effectivement, le Samodas qui a des invocations, mais ils ont pas de PA. Il y a que le Tofu actuellement qui a des PA et le Dragonnet, mais bon, c'est pas avec ça qu'il va taper. Du coup, on tape avec ses propres sorts hein, sur le Sacré-Heart, les bouffetous qui vont peut-être venir un petit peu encercler. En fait, j'ai l'impression que si Sabo a pas la folie sanguinaire, il n'y a pas des masses de moyens de se sauver, hein, parce que sa mutilation, elle est clairement pas chargée. Normalement, elle lui donne que 800 shields, si je ne m'abuse. Son pack de sang, certes, c'est bien, mais encore une fois, t'es contre triple debuff. Ouais, c'est sûr. Après, peut-être essayer de partir un peu. La traversée a été claquée chez le permage. Il n'y a pas trop forcément d'entité facile pour se mouvoir selon la voie le Sacré-Heart. Après, bon, le problème, c'est que le Sacré-Heart, il est en 8-3, quoi, en fait. C'est ça en fait, il doit garder la pression, alors ça, une zone hécatombe, mais elle est pas simple, d'autant que t'es en 4 feuilles, et c'est pas facile, t'es en 4 feuilles, t'as bouclier résistance mêlée,
Je pense qu'il doit multi-shield en fait déjà potentiellement. Une inversion, peut-être une hécatombe et multi-shield. Et du coup, c'est-à-dire que tu restes à dispo de l'upper, mais il n'y a peut-être pas le choix. Bah ouais, je sais pas. Franchement, ça a l'air compliqué déjà. Est-ce qu'il joue projection? Est-ce qu'il joue hostilité? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il joue punition? Est-ce qu'il joue folie? C'est probablement la deuxième. Et un pilori et une hécatombe. Ok, bah pas de multi-shield. Hein. Allez, elle est légère hein, la multi-shield à ce. Ah, ça serait quand même une. On l'a vu match, mais là, il y a 17 PA. Hein. Ouais, il y a 17 PA pour le peur. Je peux pas y aller en direct, mais on peut y aller. On... Ok, ouais, on triple. Ah, on a vu ça en fait. Non. Ok, non, on va debuff. On cherche à debuff. On redebuff derrière. Il n'y a pas de pacte de sang. Qu'est-ce qu'il cherche à debuff? On debuff. C'est curieux là. On debuff. Ouais, alors là je suis assez curieux. À mon avis, ça ressemble à une erreur quand même. J'ai l'impression qu'il pense qu'il a lancé pacte de sang. Je me trompe peut-être, mais ça m'a tout l'air d'être un fail quand même. Bon, dans tous les cas, on en profite, on met une belle petite contrib. On fait quelques dégâts sur Sacrieur. Moi, je suis un peu déçu. Je pense que ce tour aurait pu être plus impactant. Ouais, je pense que ce tour de permage n'était pas optimal. Parce que ouais, on sait pas trop ce qu'il y a double debuff. Il a pas fait des gros dégâts, il est pas le corps à corps avec son Izel. Peut-être un tour pas optimal, j'ai l'impression, de la part d'Artou. Ah, et ça peut faire mal à ce moment-là parce que vraiment, ils ont un gros ascendant dans ce match. C'est pas le moment de se relâcher. Ouais, c'est là, pas ça qui les enterre. Non. Ouais. C'est pas ça qui les enterre, mais cette preuve, elle fait du bien. Ce tour de permage, il permet de respirer. Clairement, peut-être après, l'étal, mais on aurait pu mettre plus de dégâts. Quoi. Là, en vrai, là, il y a un tour roublard qui est trop bien. Quoi. T'es en tour 4 comme ça, t'as le kaboom qui revient, t'as la zone entre tes alliés et des ennemis au passage pour faire du retrait. C'est juste trop. Là, Ultimate, là, il est sur son petit nuage. Là. C'est juste incroyable ce qui va se passer. L'efficacité de tour à venir va être énorme. En plus, ouais, les invocations sont pas si mal placées parce que là, il n'y en a aucune qui va prendre les dommages et le retrait collatéral. Si le retrait passe bien, ça va faire beaucoup de mal. On fait un petit coup d'érosion en passant sur Sacrieur. Le retrait qui passe pas si mal, effectivement. On se rémission. Ok, donc on a quand même. En vrai, c'est très fort contre le Ginec. Effectivement, c'est vrai que ce Roblard est quand même descendu sous les 3000 HP hein, en attendant. Ça, hein. Donc c'est un peu dangereux. Mais là, je pense que le Ginec, du coup, il me remet une pression à un autre. Alors, à l'upper, je suppose. C'est possible. Après, bon, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Voilà, okay, non, tu peux mettre un ébène et profiter du fait que t'as le bouffetou qui va t'arrêter dans ta course pour. Ah, après, il lui manque un PM. J'ai un doute, après, l'abonnement marche, du coup, oui, effectivement. L'abonnement marche, effectivement. Ah, par contre. Ah, on passe à 3 PA, c'est un peu dommage, ça, par contre. Je pense. Bah, du coup, on n'a pas calé l'ébène en plus. Hein, on n'a pas calé l'ébène, non? Il y a un radius qui devait partir. Attention, des deux côtés, ça commence à faire quelques petits fails. Peut-être rattrapé par la pression. Là, le Samadage Jean-Fabrice, il a toujours la piqûre à dispo. Il a toutes ses invocations sur le terrain. Il y a un quasi-kill potentiellement. Bah... Est-ce que je m'enflamme? Peut-être. Mais... Je pense que tu t'enflammes un peu. Je pense qu'il meurt pas ce tour-ci. Par contre, je vois pas des masses de solutions pour lui pour le prochain tour. Non, je vais pas. Piqûre peut-être aussi, hein, tout simplement. Non, je pense clairement qu'il a pas piqûre, sinon il l'aurait fait. Il aurait fait deux. Il a joué en 5 slots. Ah, mais ça, ça fait super mal. Ouais, en fait, ça fait mal. Même les Nerissa au passage. Même les Nerissa au passage qui prend des bonnes bastos. Attends, il meurt pas, mais. Il est mort. Attends, le Bouctou, il peut taper. Il a encore 2 spells. Hein. Ouais, non, mais c'est un albinos donc ça tape une seule fois. C'est vrai. Il n'y a pas d'ébène. Ah non, y'a rien, y'a pas de poison. Non, il survit, c'est pas le Dragonnet Rouge qui va faire le kill. Encore que ça serait quasiment 174 HP sur le Sacrieur. Là c'est pour ça qu'il y a pas, mais. Mais ouais, c'est Tandax. Alors maintenant, c'est le moment décisif. Enfin, est-ce que Sabo. On est tellement large qu'on en est à soigner des Dragonnets, des Bouffetou. C'est ça, mais par contre là, la question qu'il faut se poser, c'est que si jamais il joue punition. Ouais. Quand même 1870 HP max sur Sabo, c'est vraiment très peu. C'est-à-dire que c'est une punition qui passe potentiellement à énormément, hein, sachant qu'il est en souffrance 10. Mais sachant que la rémission le tue, ouais, c'est bon, il doit pas acter avant. Okay, ouais. Parce que sinon, la rémission pourrait presque le tuer avec le dueling de la punition. Enfin, je sais pas du coup comment ça marche, non, ça repousse qu'une seule fois. Non, je pense que ça repousse deux fois. Bon, est-ce que c'est pas optimal juste. Non, est-ce que c'est pas une seule. Non, je sais pas, j'ai un doute. Ah, okay. Du coup, ça transpo à out en tout cas avec le Dapino et sa multi-shield. Ouais, on tente de survivre. Hein. On tente de survivre et on peut y arriver d'ailleurs. Est-ce que Astou va chercher à lui courir après, sachant qu'il n'a rien vers lui, il n'a pas la traversée encore? En vrai, je pense que mettre une grosse pression à l'Inrepsa, c'est pas déconnant. Hein. Et on dirait qu'on se dirige vers ça, parce que l'Inrepsa a pris des bons dégâts collatéraux pour le moment.
Ah, clairement. Clairement, il peut descendre assez vite. D'autant qu'on se dit, bah, Sacrilleur, certes, il est safe pour le moment, mais s'il veut avoir de l'impact, il va bien devoir se réavancer à un moment. Là, pour le moment, il a une multi-shield sur la tête, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'y aller maintenant. On sait que s'il va plus tard, on peut toujours le menacer en plus d'un double debuff qui pourrait être fatal. Clairement, mettre une petite pression extérieure là, à Steny Ripsa, qui de toute façon est gêné en plus hein, par ce tour Hypermesh, qui a la double utilité bah ouais, de faire des dégâts et en plus de le tacler. Ouais, là, pas simple. Hein. Moins 3 PO au passage, vraiment, qui est tellement gratuit. Ouais. Bon, du coup, c'est comme ça qui cherche à survivre, mais ouais, on voit les sélectifs qui sont tout petits, qui soignent très peu, qui tapent très peu. Ah là, on sait plus quoi faire côté Rafale, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que là, ça devient délicat. Après, faut pas oublier que le Roublard a 1600 HP. 2100 max, le Roublard est très très mal en réalité. Et il remontera pas beaucoup plus haut, à part la contrib qui a été lancée au tour précédent, donc il aura, il aura au prochain. Et bon, la transfo bouge tout. C'est léger, bon, ouais. Effectivement, ouais, en fait, c'est vrai que le problème de l'ultimate là, sur son Roublard, c'est que juste faire du retrait sur le générique, il a pas le choix. Et sauf que c'est absolument pas le focus, donc c'est un peu. Dire c'est du retrait, mais des dégâts presque dans le vent, quoi, qui sont en train d'être faits actuellement. Mais il n'y a pas le choix. Ah ouais. Donc ils sont quand même en danger, hein, mine de rien, From the Abyss. Après, le match est très loin d'être fini. Dans le vent, oui et non, parce que dans tous les cas, vu que tout le monde est mal du côté de Rafale, les bouts de solidarité vont s'en retrouver moins efficaces. Ça dépend. 7 PA, c'est bien passé, c'est largement suffisamment bien passé. Et en plus, il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a plus de gibier sur ce roublard. Oui, c'est vrai que c'était le timing parfait pour la roublard 10, bien vu du coup, Ultimate. Il n'y a plus de gibier, et là du coup, bah, soit tu cherches, mais à mon avis, il est. Où il est à ton avis? Moi, pour moi, il est vers le haut quand même. Je pense vers les nids, non? Ouais, je pense vers la nid, clairement. Y a parce pas qu'en fait, s'il si est là, même s'il n'était pas invisible, ça serait un très bon placement. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Hein. Il a mis le gibier carrément dessus et c'est bon, c'est bien là. Même si ça le rend pas visible, il est bien sur la droite. Et ouais, c'était logique. C'est logique. Loin du Sacrilleur, c'est ce qu'il fallait faire. Le Samodas, là, du coup, qui a un tour un peu. Qu'est-ce qu'il y a comme slot Logiquement, il en a retrouvé 5. Un. Il s'est fait clean. Ah non, quoique, il a peut-être rien, parce que c'était un Albi qui s'est fait clean. Donc. Je pense qu'il y en a un. C'est un ou zéro? Ok, ça doit être un. Effectivement. Albinos qui est là. On continue de mettre la pression sur l'Enripsa qui tombe vraiment très bas. 1800 HP. On va avoir quoi? Le Mélanique est trop loin, mais le Doré et l'Albinos vont pouvoir taper. Il va tomber sous les 1000 HP. Hein. Quasiment, ouais. Quasiment, c'est vraiment complexe. D'autant que c'est pas Sabot qui a. On le voit, il n'y a pas de cake de soin, Sabot. Il a un Maillipitaf. Ouais. Donc. Il a pas un milliard de moyens de soigner son Enripsa. Ici, c'est un rapproche pour le Mélanique en plus. J'avais pas fait gaffe à ça, mais ça le rapproche pour le Mélanique. Il va tomber à 500 HP, même en fait. Hein. C'est parfait. Hein. C'est parfait, parfait. Oh là là. Ah là, c'est vraiment l'avantage. Rafale, il est vraiment présent. Là, Sabo en plus. Bah, j'ai l'impression qu'il est obligé d'y aller. Enfin, je pense qu'il est obligé d'y aller parce qu'en plus, la buty. Il a encore la buty. Il est clairement obligé. Il a pas le choix. Dans tous les cas, s'il perd l'Arani, c'est fini. Qui est obligé de faire quelque chose. Je crois que je me suis trompé dans le nom. mais en plus, bah, c'est un roublard quoi, qui joue après, donc c'est dur. Hein. Ouais. C'est dur. Là, je vois pas. On l'a vu qu'il avait la pénitence, donc il a pas le sacrifice. Non, mais là il a pas de transpo, il y a rien. Il y a aucun monde où il sauve les Nerypsa. Enfin, vraiment. Ouais. Peut-être la transfusion, mais c'est léger. Perfus transfu, peut-être. Est-ce que Riposte n'est pas justement la variante? Ah peut-être, c'est vrai. Semble. Ouais non mais t'as peut-être raison, j'avoue j'ai plus ça en tête. Ouais, et là du coup... C'est complexe, ouais. Ouais là tu on va pouvoir faire le kill, on va pouvoir faire le kill, c'est un problème. 13 HP sur les Nerypsa restants. Et derrière on va taper en plus le Sacrilleur. On a rien sur les Nerypsa, faut bien faire le kill, y a pas d'épaigne, y a pas de trucs comme ça. Donc oui, on fait le kill, c'est bon, la manif, terre même carrément, ça suffit. On repousse sur Samodas ce passage, pourquoi pas. 3 PA restants, on tente de faire un peu de retrait, ça ne passe pas, mais on a tenté. Ouais, non, bah là c'est complexe, hein. Malheureusement, on sent que l'avantage est vraiment énorme, d'autant que c'était le perso qui jouait juste après. Sacrilleur ne rejoue pas, hein. Peut-être une explosion, alors peut-être, on s'enflamme, mais c'est le tour, il n'y a pas de kaboum, donc il va peut-être pas faire exploser son hypermage. Ouais, non, je pense qu'il ne fait pas exploser son roublard, hein. son hyper, pardon. À mon avis, il laisse le mur, c'est très bien, hein, shrapnel. Ouais, donc, non, kit à 4 PA en fait, et il va reprendre. Le Sacrilleur perd son pacte s'il est debuff une fois, bah voilà, c'est fait. Donc le Sacrilleur en réalité a plus que 400 HP en gros. Donc ça abandonne directement. Et le match 5. On y est. On va avoir un match 5, Shax.
On y cette est. Grande finale. Let's go. Oh, let's go. Let's go. C'est beau, bien. C'est beau, c'est beau. Et bah ouais, finale en une finale en 5 matchs. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas eu, je crois, au KTA.